On poursuit avec le reste de l'actualité plus légèrement. C'est une première pour un parc d'attractions français. Le Puy du Fou vient de recevoir The Classic Award. C'est l'équivalent des Oscars pour le cinéma. Cette récompense suprême consacre les plus beaux parcs à thème du monde. Philippe de Villiers et les autres dirigeants étaient donc à Los Angeles samedi soir. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs rendu hommage, je le cite, à tout ce travail accompli depuis 35 ans. Tous les parcs sont en compétition pour ce genre de prix. Bien entendu, pour les plus connus, ce sont les Disneyland, Disney World, Epcot Center, Universal Studios. Voilà, ce sont tous ces grands parcs à travers le monde, aux États-Unis, en Europe et en Asie également, qui concouraient pour recevoir ce prix. Et c'est le Puy du Fou qui a été récompensé. Finalement, le Puy du Fou est rentré dans le patrimoine mondial des spectacles et des parcs qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Voilà, c'est ça l'originalité et la force du Puy du Fou.